Yeah, also the mushwara. It's not a knife, sir. Lariatum larai. Voilà, Marie. On est jeté un peu long. La tonne. Voilà. Hein? Alors, tu es. Je vais utiliser le. Tu vas savoir, mais nous, ça donne à tout à l'heure. Voilà, bonjour à tout le monde. J'espère que vous avez passé une très belle nuit. Et nous ne sommes en guerre. Nous sommes en train de... Il y a des choses qui ne devraient pas manquer. Dans le Montaro, normalement. On doit être très négligent, sincèrement. Très, très négligent. On a valeur dans Allah. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité, en fait. Un jour, vous allez me pleurer, ça c'est clair. Il y aura plus l'occasion. Noyé Tsakoudje, la même chose tous les jours. Voilà, bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes en route pour Douala. Douala, à partir de ce soir, un dogbon derrière l'Imra extraordinaire. Un instant, s'il vous plaît, on va prendre un instant. Je pense que j'ai un petit problème que je dois résoudre. Donc, nous sommes en voyage pour Douala, par la grâce du Seigneur, pour le grand programme qui aura lieu ce soir. Donc, tout simplement dire à la population de Douala d'être massivement du côté de Ndokbon. L'église se situe à Ndokbon derrière l'immeuble Kamlé. Donc, nous nous retrouvons là-bas, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tout à l'heure, à partir de 17h. Bonjour à Nadège, bonjour à Josiane Gouné. Ah, Josiane, content de te lire, ma fille, que Dieu te bénisse. Donc, je voudrais adresser mes remerciements à certaines personnes qui ont été avec moi, qui m'ont aidé, qui m'ont assisté, qui ont toujours été fidèles. Qui ont été fidèles. Je veux dire merci au prophète Martial Séné, qui est un ami de longue date à moi. On se connaît depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Le prophète Martial a beaucoup souffert entre mes mains. Il faut honorer nos héros pendant qu'ils sont vivants. Il faut se célébrer étant vivant. Le prophète Martial Séné, je l'ai connu à l'époque. C'était en 2010, ça fait 13 ans aujourd'hui, 2010, 13 ans d'amitié, de marche ensemble, de fraternité. 2010, je l'ai connu, on était allé là-bas, parce qu'il y avait avec l'apôtre Pierre Choubeux, et Guy Flavien. Voilà. Donc nous sommes allés là-bas, c'était, je pense, pour une retraite. On voulait l'onction, on priait pour l'onction. Nous sommes allés, c'est grâce à eux que j'ai découvert le prophète Martial Séné. Mais après, nous sommes restés ensemble. Nous sommes restés ensemble. Parfois, Dieu peut utiliser certaines personnes ou certaines circonstances pour t'amener vers des aides de destinée. Le prophète Martial a été une aide de destinée pour moi, il est encore. C'est quelqu'un qui a beaucoup investi dans mon ministère, pas financièrement, mais par sa présence, par sa loyauté, par son humilité. Je pense que le prophète Macha Séné, c'est l'une des personnes qui a été là dans les moments les plus capitaux de ma vie. Il a toujours été là. C'est-à-dire que les moments de joie ou bien de faiblesse, de malheur, non de joie, de malheur, il a toujours été présent.
Lui n'a jamais rien raté. À chaque fois, Dieu l'amenait toujours là. Quand j'étais dans des problèmes ou bien quand j'avais de bonnes nouvelles. Donc, ça fait 13 ans dans ma chanson. On est allé sur la montagne, on a prié chez lui, on dormait chez lui pour cette retraite-là. Et puis, son épouse, une adoratrice extraordinaire, elle jouait à la guitare et j'étais étonné. Et on passait le temps à célébrer ensemble. On adorait ensemble, on louait et on priait, on priait, on priait. Et voilà, à l'époque-là, chacun de nous devrait aller avec sa fiancée à l'époque. Donc, on a passé le moment là-bas chez lui. C'est après que nous sommes allés sur le mont Kolafamba, où je fais le pèlerinage annuel aujourd'hui. Nous sommes allés sur le mont Kolafamba. Et étant sur cette montagne-là, sept anges me sont apparus. Parce qu'on était allés pour sept jours. Je pense que le troisième jour, ils m'ont vu descendre avec mon sac. Ils m'ont demandé, mais tu vas? J'ai dit non, je rentre. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit que j'ai reçu ce que je suis venu chercher sur la montagne. Sept anges m'étaient apparus. Il y avait un des anges, il m'avait entouré. Il y avait un de ces anges qui m'avait dit, je te donne le bâton de Moïse. Et l'autre m'a dit, je te donne le manteau d'Élie. Je pense où la grâce de Tishbé est tombée sur ma personne. Donc, au fait martial, on a eu des moments difficiles ensemble, des bons moments, des mauvais moments. Il y a beaucoup de personnes, des relations qu'il a perdues à cause de sa loyauté à ma personne. Il est resté loyal. Les gens lui ont dit, non, tu marches avec un sorcier, c'est celui qui t'a donné aussi sa sorcellerie. Et même les gens, même parfois avec qui nous avons commencé le ministère. Parce que le problème, c'était quoi? C'est que de tous, je suis le dernier qui a commencé le ministère. Je savais que certains n'ont pas compris que une personne qui vient après toi peut faire plus d'exploits dans le royaume que toi. Tout dépend de Dieu, des temps, des saisons, de la grâce de Dieu, des alliances que Dieu donne à chacun de nous. C'est un peu comme Jésus-Christ qui est venu après Jean-Baptiste. À un moment, c'est Jean-Baptiste qui faisait la pluie, les beaux temps. Jésus-Christ est venu, c'est lui qui baptise Jésus, c'est un peu comme si c'est lui qui initie Jésus au ministère, mais après Jésus-Christ aura plus d'espoir que lui. Les disciples de Jean-Baptiste, mal intentionnés, comme plusieurs de ceux qui nous entourent aujourd'hui, vont lui dire, mais regarde, celui que tu as baptisé, lui baptise déjà plus que toi, il fait des miracles plus que toi, son église grandit plus que la tienne. Donc quel était le message, le sous-entendu, c'était quoi? Non, il faut mettre les bâtons dans ses roues, il faut empêcher que son ministère puisse grandir, parce que ce n'est pas normal qu'une personne commence après toi et passe devant toi. Donc certains, c'est un peu ça leur conception, ça a été ça, leur erreur. Ils se sont dit non, c'est pas normal, ça veut dire qu'il a trempé, il a mis la main quelque part. Si nous, on a commencé avant lui et nous sommes à ce niveau-ci et lui vient de commencer et puis il nous dépasse, quelque chose ne va pas quelque part. C'est-à-dire qu'il a trempé, il a mis la main quelque part. Oh, ce n'était pas vrai. C'est le même Dieu que nous servions. C'est les mêmes prières que nous faisions. Mais seulement, je pense que la grâce était différente. Ou peut-être le Seigneur m'avait fait grâce de comprendre les époques, les temps et les saisons. Donc ça fait que dans les moments les plus compliqués, c'est même ceux qui étaient des frères avant, qui sont entrés dans le maquis contre moi. C'est eux qui m'insultaient, c'est eux qui me calomniaient, qui répandaient la calomnie contre ma personne. Et donc, et comme nous étions une famille au départ, plusieurs d'entre eux, j'allais prier dans leurs églises. J'allais passer des retraites dans leurs églises parce que je n'avais pas d'église. J'allais faire des retraites chez eux. Je pouvais m'asseoir, j'ai fait des retraites dans son église. Le pasteur Pierre Choubeur, l'apôtre Pierre Choubeur, j'ai fait des retraites dans son église. Ouais. Donc c'est les gens qui, et beaucoup d'autres encore, j'allais dans leurs églises, dans leurs assemblées, pour passer des moments de retraite, comme le pasteur Chiquet, à l'époque, qui est retourné au Nigeria maintenant. Donc le prophète Martial a donc subi beaucoup de pression. Beaucoup, beaucoup de pression, beaucoup de persécution. On a eu des problèmes, on a eu des problèmes. Même avec lui, parfois, on s'est parfois gâté. On a eu des incompréhensions. On a eu des incompréhensions, mais on s'est toujours pardonné parce que l'amour est plus fort que la mort. La Bible dit que ces fièvres sont des fièvres brûlantes. Donc, on s'est supporté comme ça parce qu'il n'y a pas de relation sans problème. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucune relation sur cette terre. Partout où il y a des hommes, il y aura des erreurs.
y aura des blessures. Il y aura des déceptions. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'association humaine. Mon ami, sois prudent. Hein. Sois prudent, Ousseni. Tu vois que tu n'aimes pas, tu vas voir tes enfants grandir. Oh, nous prudents, Ousseni. Donc, excusez-moi, je suis en guerre avec mon chauffeur ici. Ah, c'est le grand Armandino. Voilà. Vous imaginez que Armand, je suis en train de prier pour le voyage. Comment quelqu'un peut prier pour le voyage? On entre, il est en train de rouler, il ferme les yeux. J'ai arrêté la prière directement. J'ai dit qu'il y a un danger quelque part. Il dit Armand, comment on prie? Tu es chauffeur, au volant, on roule, tu fermes les yeux. Il dit que c'était pour bien être dans les yeux. La prière, j'ai dit, ah non, non, non. Tout le monde, tu fermes les yeux, sauf toi. Toi, tu as prié les yeux ouverts. Donc, bien aimé, on a eu des moments parfois difficiles avec le prophète Martial. Des moments où je n'ai pas été content. Des moments où lui aussi n'a pas été content. Et je me souviens, lui, vous savez, le prophète Martial, c'est quelqu'un qui se sent mon petit frère. C'est pas que, ça dit mon petit frère légitime. Petit frère légitime, c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de vrai. Donc, parfois, là, on m'appelle seulement que quelqu'un est à la radio, là, il est en train de faire l'émission. J'ai dit, c'est qui? On dit, non, c'est prophète Martial. Et la loi, les gens me disent que la loi, c'est que rien ne se passe ici sans votre permission, papa. J'ai dit, non, non, c'est lui. Il faut laisser. Quand il arrive à la maison chez moi, ce qu'il trouve, il ramasse seulement, il prend. Parfois, je vais me fâcher, il dit, ah non, non, tu es grand frère. Tu dois remplir tes responsabilités de grand frère. Et puis, tu vois comment tu fermes ta bouche, il prend tout. Donc, on a connu des moments où des gens l'ont menacé, carrément. Certains lui ont dit, tu choisis entre le prophète de Cané et nous. Et il demande, le problème, c'est quoi? On dit, non, le type là, il a trempé. Il a mis sa main quelque part. Pourtant, mes amis, ce qui se passe n'est rien par rapport à ce que Dieu va faire dans nos vies. Ce qui se passe n'est rien. Donc, il a toujours été là, dans les malheurs. Même en 2021, lorsque j'étais frappé par le malheur, c'était parmi les premières personnes qui étaient là. Ils ont dormi à la maison. Ils ont dormi sur place. Ils ont dit, non, on ne peut pas laisser le grand comme ça. Ils ont dormi sur place. Donc, c'est quelqu'un à qui je veux manifester ma reconnaissance. Je veux apprécier le don de Dieu qu'il est. Et je me souviens, un jour nous sommes allés, on avait faim. C'est pas en 2014-2013. On avait faim. Faim, mes amis. On est allé en ville, on a acheté, c'était le poisson braisé avec les bâtons de manioc, le plantain. Alors on a dit à la dame d'emballer, elle a emballé. Et puis nous sommes arrivés au carrefour, on devrait se séparer. Et donc chacun a pris son paquet. À l'époque, la maman de Jemima était encore en vie. Quand je rentre, Jemima n'était pas encore née, on était deux. Quand je rentre donc, je déballe mon paquet. Quand je déballe le paquet, c'est le poisson braisé. Tous les poissons braisés étaient dans mon paquet. Et lui, il est rentré avec tout le bâton de manioc. Avec les fruits de plantain. Je me suis mis à rire. Je me suis mis à rire. J'ai dit à Maman Shalom de faire le riz. Nous faisons un petit riz là, on accompagne ça. On pousse un peu le poisson avec. Et j'imaginais donc ce que le prophète Martial était en train d'expliquer à sa famille, à ses enfants là-bas. Donc c'est celui qui est arrivé, il a dit à sa famille, allez, rassemblement, rassemblement, urgence nationale. Il a mangé, sortez, il a mangé. Les enfants sont sortis, maman, c'est est sorti, tout le monde est sorti. On a lavé les mains, peut-être la main exigeait qu'on lui chauffe un peu l'eau. Que le genre de poisson, si on mange avec l'eau tiède, il faut laver les mains avec l'eau tiède. On a lavé tout, il ouvre, bam, c'est sûr qu'il y a un bâton de manioc, même pas un seul poisson. Donc j'ai ri la pelle. Pendant que je mangeais en riant. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer ce qu'il vivait de son côté là-bas. Je ne peux pas imaginer. Donc, ça n'a pas été facile pour lui, certainement, ce jour-là.
Et je me souviens que parfois, à l'époque, quand nous sortions ensemble, parfois on arrive quelque part, je l'oublie. Tellement ma tête était surchargée. Après, le téléphone sonne. Il dit, mais grand, tu m'as oublié, tu m'as dit d'aller acheter le pain dans la boulangerie et tu m'as oublié. J'ai dit, oh, Seigneur, pardonne-moi, j'ai oublié ton nom. J'ai fait demi-tour, je reviens. Et à l'époque, lorsqu'on a commencé avec le ministère prophétique, parce que vous savez que le ministère prophétique, en fait, faites attention au faux compte Ekane Ferdinand qui vous envoie des invitations, ce n'est pas moi. Je n'envoie pas les invitations aux gens, donc faites attention. C'est de faux comptes. Il y a des faux comptes à mon nom qui relaient mes informations, qui sont en train de relayer le direct que je suis en train de faire là. Si vous voyez une page qui n'a pas plus de 250 000 abonnés, ce n'est pas moi. Nous sommes à plus de 256 000 abonnés maintenant. Regardez le nombre d'abonnés. Alors, un jour, au début, vous savez, le ministère prophétique au Cameroun n'était pas encore bien connu. C'est-à-dire que parmi les hommes de Dieu qui ont apporté la révolution prophétique au Cameroun, on peut citer le King Prophète, qui est aussi quelqu'un à qui je dis merci ce matin, qui est un homme extraordinaire, un homme qui a un cœur pur, un homme vrai. Un homme vrai. Le King Prophète, Joseph Eyon Ayouk. C'est un... Voilà, là. Un instant, s'il vous plaît. Les vieux... Oh. Les gens d'Orange. Orange, comment oui, on est. L'étoile 157, là. J'ai voulu au crédit, là. Donc, je vais revenir sur lui. Donc, nous étions... On travaillait pour le prophétique. Donc, j'appelais parfois le prophète Martial au début, là. C'était en 2014. Je l'appelle à 4h du matin. Je lui dis rassemblement à l'église immédiatement. On a besoin de cobayes prophétiques. On va aller tester la prophétie là-bas. Et puis à 5h là, je lui dis viens 5h. Et il vient à 5h, d'où l'OCFM. On fait l'émission. Quand on fait l'émission, on dit aux gens que rassemblement, prophétie one by one à l'église. One by one, un à un. Tu reçois, tu passes, ton frère vient, il reçoit, il passe. Ta soeur vient, elle reçoit, il passe. One by one, l'église était à 11h, c'est en 2013-2014. Alors, mon prophète Machia et moi, on arrive. L'église est pleine à 4h. L'église est pleine, mes amis. Les gens veulent recevoir la parole de l'Éternel, le prophétique. Et je le pousse au front pour se suicider pour nous. Je dis, va, toi commence la prophétie. Et c'est comme ça que lui, il va aller, pam, il appelle tel. Il dit, Michel, c'est qui? La personne dit que je ne connais pas, il dit, mets-toi à côté, tu es trop incrédule. Deuxième personne vient. Il dit, j'entends un nom comme Jacobine. Jacobine, ton nom c'est quoi? Il dit, c'est Bernadette. Il dit, non, toi, va t'asseoir. Tu n'es pas prêt pour la prophétie. Après, il me guette. Moi-même, je dis que mais la fesse là, c'est mauvais aujourd'hui. Hein? C'est mauvais au front. Le front est dur. Il me regarde. Après, il dit, grand, viens prendre le micro. Je me lève. Je dis qu'il y a une femme ici qui a des règles douloureuses. C'est qui? 10. Se lève, je suis content. À cette époque, pour nous, c'était significatif, mes amis. Parce que le ministère prophétique n'était pas répandu au Cameroun. Et même en Afrique francophone, à cette époque, c'était rare. C'est chez les anglophones qu'on voyait l'expansion du ministère prophétique. Mais ça fait que quand nous, on a commencé avec le prophétique, c'est même là-bas que les gens commençaient à me taxer de sorcier. C'est là que mes problèmes ont commencé. Je suis à 259 000 abonnés actuellement. C'est prophète Ferdinand Ekane, prophète sans E à la fin. Prophète. Il y a un autre compte qui est exactement comme le mien, qui est aussi prophète sans E et tout, mais qui a 50 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, ma page, c'est 259 000 abonnés. Si vous êtes abonné à une page qui a moins de 259 000 abonnés, signalez et bloquez la page. Signalez à Facebook. C'est une fausse page. Et venez vous abonner à la vraie page. Donc, et pour nous, c'était la joie. À l'époque, le prophétique n'était pas répandu. Il y a un seul homme que je connaissais à l'époque, là, peut-être deux. Mais celui que je connaissais bien, c'était le King Prophète, le prophète Eyon Ayouk Joseph. C'est un pilier et un pionnier du ministère prophétique au Cameroun. Le gars faisait des choses extraordinaires. Et ça fait qu'il attirait, il drainait des foules. Il drainait des foules, mes amis. C'est un prophète qui a marqué l'histoire du Cameroun. Donc, il pouvait donner le numéro de ton téléphone. À l'époque, là, tu vois un prophète qui te donne le numéro de ton téléphone. Ah non, c'était spectaculaire. C'est pas comme aujourd'hui, on prophétise, les gens s'asseyent. Moi, quand j'ai commencé à prophétiser, mon église s'est vidée. Beaucoup ont dit que c'est un sorcier, il est entré dans la sorcellerie. Avant, là, il était dans l'enseignement de la parole, c'était un vrai serviteur de Dieu.
Mais il a dévié. Maintenant, il voyage dans les maisons des gens, il fait le voyage astro, il voit combien tu as dans la poche, il dit ton numéro de téléphone, il décrit ta maison, et ils ont dit non, ça c'est du faux. C'est faux et usage de faux. Le monde s'en va là. Vous voyez. Donc les gens n'ont pas compris ça. C'est venu trop fort. Les gens se sont dit que c'était une déviation, mais ils n'ont pas compris que l'Église est en train d'entrer dans l'ère des prophètes. Et qu'aucune main ne peut saisir cela. Personne ne peut empêcher cela. Dieu l'a décidé ainsi. Et que le tour de l'Église francophone était arrivé. Que les choses qu'on voyait chez les anglophones, maintenant cette flamme était allumée au milieu des francophones aussi. Donc les gens n'ont pas compris ça. Et c'est là que ma réputation a commencé à se gâter. Certaines personnes ont compris ça bien après et sont revenues à l'église. Mais qui étaient parties en disant non, c'est dans la sorcellerie. Et ça fait que le prophète Martial a été taxé aussi de magicien, de sorcier, parce qu'il a aussi commencé à prophétiser. Parce qu'on le faisait ensemble, on priait ensemble, on jeûnait ensemble, on cherchait la face de Dieu ensemble. Et puis, on organisait des réunions tests. C'est-à-dire qu'on convoquait les gens, et puis les gens venaient à l'église, et on commençait à prophétiser sur ces personnes. On prophétisait sur ces personnes-là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Regarde-moi le direct, est-ce que ça passe toujours? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Ça passe? Donc, bien-aimé... Voilà, désolé, on a eu un petit problème là, un petit coupure tout à l'heure là. Ça s'est repris, n'est-ce pas? C'est bon? Donc, bien-aimés, nous avons commencé à expérimenter dans la grâce prophétique. On organisait des programmes et puis on donnait, c'était des paroles de connaissance à l'état pépinière. On a commencé à donner des paroles de connaissance. Le prophète Martial était toujours avec moi. Cet homme de Dieu était toujours avec moi. En sorte qu'il y a même des gens qui pensaient qu'il était un pasteur dans mon église. Et ça fait qu'à un certain moment, certaines personnes ont commencé à l'intoxiquer. Les gens ont commencé à l'intoxiquer. Les gens qui étaient jaloux de notre union, ils ont commencé à l'intoxiquer. À lui dire non, ne sois pas avec Ekané. Parce que tu es avec lui, ton ministère sera happé. Tu es sous son ombre. Pourtant, ce n'était pas la vérité. Je l'ai toujours aimé d'un cœur vrai et pur. Et je l'aime toujours de cet amour. Et je lui avais dit un jour que mon amour pour lui, c'est un amour d'ami. C'est un frère à moi. Je le considère comme mon sang. Les gens lui ont mis ça dans la tête. Que non, le prophète Kané là, comme tu avais lui, vraiment, il est en train de t'utiliser. Il t'utilise. Et il a failli être détourné comme ça là. Il a commencé à écouter. On a eu des problèmes dans cette époque-là. Et on ne se parlait pas pour un certain bon bout de temps. Et puis voilà. Et il a compris. Je suis resté tranquille dans mon coin. Lorsqu'il a compris, il est revenu. Il m'a dit, pardon, je n'avais pas bien compris grand, voici telle chose. Et tout. Je lui ai dit qu'il faut que tu comprennes une chose. Quand on dit qu'on aime une personne, ce n'est pas la bouche. Ce n'est pas le bébé. Je lui ai dit que j'ai été avec toi dans les beaux et les mauvais jours. Tes pleurs ont été mes pleurs. Tes guerres ont été mes guerres. Tes combats ont été mes combats. Tes ennemis ont été mes ennemis. Tes adversaires ont été mes adversaires. À chaque fois que tu as eu un défi, un sérieux défi dans ta vie, j'étais toujours présent. À chaque fois que ton ministère a eu besoin d'un soutien financier, nous nous sommes sacrifiés pour toi. On l'a toujours fait. Mais les autres qui disaient qu'ils t'aiment là, ils t'ont soutenu financièrement en quoi? Ils t'ont soutenu matériellement en quoi? Ils ont été là pour toi en quoi? Dans tes malheurs, comment? Je me souviens, un jour, je suis sorti avec lui. On se promenait juste en ville comme ça. Après, je lui dis, pam, on va dans ton village. On ira dans ton village. Directement, se retrouver dans son village. L'amour n'est pas, il dit, ne met pas seulement en parole. Une personne qui dit, je t'aime. Je suis avec toi, on est ensemble. Mais qui, au jour de ton malheur, ne peut pas sortir 5 francs pour toi. La personne, elle ne t'aime pas. Je me souviens, lorsqu'il a dit qu'il avait l'église à Azusa Street. Il devait faire l'église à Azusa Street. C'est Rema qui a cotisé pour lui, en fait. Je lui ai dit, viens à l'église. Il est venu à l'église. On a fait la main levée. C'est que ça a donné. On a mis ça dans un plastique. On lui a remis tout. C'est lui qui allait calculer
compté ça avec sa femme et il m'a donné le montant. C'est avec ça qu'ils ont lancé Azusa Street. Son église qui avait marqué la ville de Yaoundé. Et je ne peux pas compter combien de fois il est venu, m'a dit, grand, j'ai tel défi. Je me suis mis immédiatement. J'ai mis la main dans la pâte parce que je lui disais, mon souhait, c'est que ton ministère réussisse. Lorsqu'il est venu à Imombo, je lui ai laissé ma salle sous mon contrat. Et je lui ai laissé mon bureau intact. C'est ça, aimer quelqu'un. C'est pas aimer, mais tu ne peux pas, tu as les moyens, mais tu ne peux pas aider quelqu'un financièrement, non. Je lui ai laissé tout mon bureau. J'enlevais juste mes documents. Les documents officiels de l'église. J'ai laissé le bureau intact. Un bureau que j'avais acheté à plus de 2 millions et demi. La chaise du bureau seulement était dans les 1 million et demi. Parce que c'est une chaise qui masse, et etc. Donc je lui ai laissé tout. Pourquoi? Parce que je veux qu'il réussisse. Je veux qu'il devienne grand. Je veux qu'il soit plus grand que moi. Et je n'ai cessé de lui dire que le jour où la prophétie s'accomplira, sois humble. Sois toujours humble. C'est important. Bon, mais nous sommes restés unis. On est restés malgré tout. On s'est expliqué. On a été ensemble. On a eu dans le bon moment, le mauvais moment. C'est ça une amitié en fait. Il n'y a pas d'amitié sans problème. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'amitié sans problème. Donc on s'est supporté. On a surmonté les beaux et les mauvais jours. Et le prophète Martial aujourd'hui pour moi est quelqu'un. C'est un trésor. C'est un homme de Dieu en qui je crois. Il a été beaucoup humilié. Beaucoup humilié, mal compris, mal jugé. Certains l'ont vu comme un moindre que rien. Mais il a une grande destinée devant le Dieu des armées. Et il n'échouera pas, c'est une prophétie certaine. Je me souviens que j'ai vu son enfant, Azer. La première fois où j'ai vu son fils, j'étais parti à Kolafamba chez lui. On tentait de marcher à pied. Et son fils venait. Je me suis mis à genoux en route. Je me suis mis à genoux en route pour saluer son fils. Et s'est tourné vers moi, il m'a demandé que, attends, ça c'est encore quoi ça? Comment pour saluer ton propre fils, tu te mets à genoux? Je lui ai dit que ce que j'ai vu sur ton fils est redoutable. L'enfance, il sera plus grand que toi et moi. Il sera plus grand que toi et moi. Je pense juste qu'aujourd'hui, il n'a pas oublié ça. Donc, bien aimé, je vais bénir Dieu pour le prophète Martial Séné. Homme de Dieu, je te célèbre. Que la gloire de Dieu soit sur toi. J'ai une foi ferme que les choses que Dieu t'a dites, il les accomplira. Et à chaque fois qu'il a eu une vision sur moi, ça s'est accompli. Avant que je ne fasse l'accident, on a fait 6 tonneaux avec une Land Cruiser que je venais d'acheter. Il était venu, il m'a dit. Il m'a dit qu'il a rêvé que j'ai fait un accident et c'est arrivé. Quand une personne t'aime, Dieu parlera de ton problème à cette personne. C'est ça en fait. Donc c'est un homme de Dieu à une gloire extraordinaire. C'est l'un des seuls prophètes Hosée dont je peux témoigner du ministère. Il a un ministère de Hosée. C'est un pur Hosée. C'est un homme qui a des visions ouvertes. Prophète Martial, il a des visions redoutables. C'est un Nébi, c'est un Rohé, mais c'est plus un prophète Hosée. Un jour, il a vu le char qui a porté le prophète Élie. Le char est venu jusqu'à son fils est tombé dans le coma. Il est en train de prier sur la pierre. C'est un homme qui jeûne comme un malade. Quand tu vois quelque part un jeûne, quelqu'un dit qu'il a jeûné 377 jours, 7 heures, 48 minutes, 30 tiers. C'est-à-dire un nombre de jeûnes exagérés, bizarres. C'est le prophète Martial Séné. Il était sur une pierre, en train de prier. Je ne sais pas, mais c'est sur 400 combien de jours de jeûne. La gloire du Seigneur lui a paru et Dieu lui a dit, je te montre le char qui a porté le prophète Élie. Et il l'a vu au crépuscule, il a vu le char venir, passer au-dessus d'eux. Son fils est tombé dans le coma. Parce que la gloire était forte. C'est un homme aux visions ouvertes. Un prophète Hosée, authentique. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Et je voulais dire merci au prophète Kamto. Le prophète Kamto, l'érudit. Le prophète Kamto, c'est un homme aussi, il a un cœur très vrai. Son cœur est vrai. Son cœur, il a un cœur d'enfant. C'est un homme de Dieu droit et intègre. Il a aussi connu, presque dans la même époque, en 2010 toujours, je pense, ça fait 13 ans aujourd'hui. Il m'avait invité dans son église en 2013.
C'est en 2013. Non, pas 2013. En 2000, il m'avait invité en 2010. Parce que je n'avais pas, ou 2011, je n'avais pas encore commencé le ministère. J'avais prêché dans son église. Elle prêchait dans son église et il m'avait donné 10 000 francs. Bien aimé, 10 000 francs, pour moi à cette époque, c'était 100 000. Tu ne fais même pas attention, c'était 1 million. Ça m'avait marqué. Et il m'avait invité, c'est lui qui m'invite pour la première fois à Dunamis FM. Il avait une émission là-bas à Rice Africa. Parce que c'est quelqu'un qui a un cœur pour l'Afrique. C'est un érudit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une connaissance livresque sans pareil. À nul autre pareil, comme il aime dire. Il m'avait invité dans une de ses émissions. Je suis allé dans son émission et puis c'était bien. On a fait Rice Africa. Il voulait que je parle sur l'islam, l'islamologie. Parce qu'à l'époque, j'étais professeur d'islamologie avec portes ouvertes. On allait partout pour former les églises. Parce que c'est l'islam, l'apologétique aussi. Et je pense qu'à portes ouvertes, Cameroun, c'est moi qui ai initié le cours d'apologétique. C'est-à-dire, ce sont mes cours que j'ai laissés là-bas. C'est moi qui ai initié les cours d'islamologie et surtout d'apologétique. Et donc, il m'a invité dans sa radio. Je suis allé, on a fait l'émission, c'est trop bien. J'ai demandé, waouh, ça se passe comment ici? Il m'a dit, non, tu peux aussi avoir ta tranche. Voilà comment j'ai pris une tranche. Et puis, le Seigneur nous a bénis. Le premier voyage à l'étranger que je veux faire, c'est par lui. On était dans son bureau. Il m'a partagé une vision que le Seigneur lui a montrée. Et je lui ai dit que je m'appuie sur cette parole de prophétie pour sortir du Cameroun pour la première fois en 2017. Voilà comment je suis allé, c'était au Burkina Faso, je pense, en 2017. Et c'était un succès extraordinaire. Prophète, quand on a toujours été ensemble avec lui, on n'a jamais eu de problème. On n'a jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu de querelle avec lui, ni de quiproquo, jamais, jamais, jamais. C'est un homme qui a toujours été là, qui a été loyal, qui a été toujours fidèle. Et je pense que c'est l'un des rares hommes de Dieu chez qui je mange aujourd'hui. C'est-à-dire que presque chaque semaine, chaque samedi, il m'invite chez lui. Parce que c'est que j'aime le poulet braisé. Et son épouse, mon Dieu, aïe, 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 c'est dangereux. Son épouse a une main culinaire, à nul autre pareil. Je vous assure, sa femme, la femme du prophète Kamto, qu'elle te fait le poulet braisé. Et avec les condiments verts, elle a un condiment vert là, avec un piment là. Non, non, je ne sais pas comment elle fait ça. La Macédoine, qu'elle fait la Macédoine. Tu manges la Macédoine, tu penses que c'est le banquet de l'agneau, mon frère. C'est trop fort. C'est énorme. Donc ça fait que tous les samedis avant que je ne découvre le poisson, le poulet braisé de la femme du prophète Kamto, chaque fois qu'il m'appelait, j'étais occupé. Hein? J'étais toujours occupé. Mais maintenant, là, dès qu'il appelle, là, dès que donc, maman est là, il dit oui. Comment va le poulet? Du poulet va bien. Il dit, tu es occupé? J'ai dit, non, 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 je suis déjà en route. Ouais. Et nous passons des moments extraordinaires, sans jalousie, sans complexe. Sans complexe. C'est vrai que parfois, il y a eu une ou petite chose, une ou deux choses sur lesquelles peut-être, on a peut-être été très content. Ça, j'ai toujours dit que les relations humaines, il y a toujours une ou deux choses qui peuvent ne pas bien aller. Parfois des maladresses, pas mal intentionnées forcément, mais juste des maladresses. Juste des maladresses. Et après, on rectifie, on tire ça. Et puis le prophète, comme tu es le genre de personne, dès que tu es un peu blessé là, il est déjà sur le pardon. S'il te plaît, je demande pardon. Pardon, ma chétora. C'est une aide de destinée pour moi. Et il a toujours été là dans les moments les plus compliqués. Je me souviens que lorsque j'ai été endeuillé, ben c'est quelqu'un, lui, quand il veut parler, il parle. Hein, il est un peu comme son épouse. Alors il est venu à la maison. C'était encore en plein deuil. On était au salon, assis là. J'étais encore hurluberlué. Et pendant qu'on est assis, il me dit méga. Enfin, c'est comme ça qu'on s'appelle méga. On s'appelle effectivement comme ça. Il me dit méga, il faut que tu te remaries. Il faut absolument que tu te remaries. J'ai dit pardon.
Il me dit, non, moi je pense que tu dois te remarier. Parce que regarde le ministère, regarde la responsabilité ministérielle, il n'est pas bon que tu sois seul. Tu ne peux pas être seul, tu dois te remarier. Il faut que tu penses vrai, tu es éprouvé. Nous pleurons avec toi, je pleure avec toi. C'est vrai, mais il faut que tu te remaries. Mais le jour-là, j'étais fâché. Il fait ça pourtant, tu vas toujours le doubler. J'étais très fâché contre lui. Mais je l'ai pris en sandwich. Comment tu peux me dire ça? Comment tu peux, en plein deuil, tu me dis qu'il faut que je me remarie? Comment tu peux faire ça? Je ne me remarierai pas. Non, non, non. Il faut me laisser tranquille. Il faut me laisser. Non, non, non. Comment tu peux faire ça? Je l'ai pris très mal. Hein? J'en ai fait une affaire personnelle. Et il a demandé des excuses le jour là fatigué. Je lui ai dit, ah, non, non, non. Tu ne me fais pas ça, mon ami. Comment en plein deuil? Et son épouse aussi m'a soutenu. Sa femme s'est aussi fâchée contre lui. Comment quelqu'un en deuil, toi tu viens lui parler de mariage? Il faut qu'il se remarie en plein deuil. Il n'y a pas encore eu enterrement et tout. Or, il le disait dans un cœur d'enfant. Sa femme était fâchée contre lui sérieusement. Hein? Sa femme s'est fâchée contre lui pendant peut-être quelques semaines, plusieurs semaines. À la maison, mais elle était fâchée contre lui. Elle lui en voulait. C'était sérieux. Elle lui disait, non, quelqu'un n'a pas fini le deuil. Toi, tu penses déjà à ce qui se remarie et tout. Oh, ce n'était pas ça le problème. On l'avait mal compris. Lui se souciait pour moi. Il voulait, il voyait un peu loin. Il regardait le ministère, il se souciait. Il voyait déjà l'après-deuil. C'était ça son souci. C'est que mon bien-aimé doit se porter bien. Après ça, il ne faut pas que Satan profite de cette situation pour faucher son ministère et sa vocation. De le faire par amour. Mais peut-être le moment était juste mal choisi. Et ou bien alors que nous, on n'était pas disposés à le comprendre. Et c'était normal, c'était compréhensif. Et compréhensible. Et donc, après cela, c'est un peu revenu. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été là. Il a été là, il a toujours été avec moi. Il m'a soutenu, il m'a donné des encouragements. Et lui aussi, c'est un de mes Nathans. Lui est le prophète Martial. Ce sont mes prophètes personnels. Ce sont mes prophètes. Lui aussi, à chaque étape de mon ministère, le Seigneur lui parle. Dès qu'il m'appelle, il dit, méga, je sais que la main de Dieu puissante, Dieu est en train de me rendre ministère. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. À chaque étape de mon ministère, il voit. Et vous savez qu'on n'a pas encore... On n'a pas encore fini. C'est pour ça qu'il n'est pas un ami, c'est un frère à moi, c'est mon frère. Ce sont des frères à moi. Ce sont des frères à moi. C'est des gens qui me portent, qui n'ont pas de jalousie envers ma personne. Parce que ce qui tue les amitiés aujourd'hui, c'est que tu es ami avec une personne qui t'en veut. Une personne qui est jalouse de toi. Une personne qui ne peut pas célébrer Dieu pour toi. Une personne qui ne peut pas apprécier ce que tu es, te protéger. Une personne qui sait voir ta faiblesse ne peut pas venir te parler, prier avec toi. Te dire que non, bien-aimé, ici là tu fais mal. Non, ces deux hommes de Dieu ont toujours été là pour me soutenir, me secourir. Aucun de nous ne soutient aucun dans le péché ou dans le mal. Non, nous nous soutenons dans la sanctification, la consécration et on se fortifie. Et c'est important. Je me souviens, on a parfois nos problèmes. On a parfois nos problèmes, mes amis. On a parfois nos problèmes. Parfois des sérieux problèmes, mais l'amour triomphe parce qu'on est sincère, on supporte et on avance. Parce qu'on a une famille, il n'y a pas de famille où il n'y a pas de problème, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de problème. Je me souviens que ils sont venus me voir, pour faire Martial, pour faire Kamto, ils sont venus me voir, ils ont dit ok, on va faire, quand on organise des programmes, il faut que chacun donne des enveloppes, qu'on se fasse des enveloppes. Et donc, ce qui se passe, il faut faire attention. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Je veux dire merci aussi au King Prophet.
aucun problème. Parce que dans mon ministère au début, c'était quelqu'un qui était d'une très grande aide pour ma personne. Aucun prophète, ayant eu Joseph. Il était d'une très grande aide pour moi. Je me souviens qu'il était arrivé, quand j'avais commencé le ministère, nos chaises étaient vieilles. Il a pris des chaises neuves. Et il me les a passées. Il m'a dit, prends ces chaises neuves, c'est pour toi. Et j'ai pris ça. Et il a pris mes vieilles chaises, il a ramené dans son église. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu au début, qui a été là, quelqu'un de vrai aussi, et d'aimant. Je bénis Dieu pour des hommes comme ceux-là. Que le Seigneur le bénisse, que la grâce de Dieu ne se sépare jamais de sa vie et de son ministère. Donc nous avons besoin de personnes, des aides de destinée, des gens vrais. Des gens qui peuvent se sacrifier pour nous, par amour, par fraternité. C'est important dans le ministère, mes amis. Et vous savez que ce qui fait un homme, c'est son entourage. C'est la qualité de ses relations. Lorsque vous avez des relations d'une certaine classe, votre vie automatiquement sera influencée. Lorsque vos relations sont bonnes, votre entourage est bien filtré, alors vous serez béni automatiquement. Oui, c'est ça. Et les relations sont sphériques. C'est sphérique en fait. Ça a plusieurs strates. Il y a les relations amicales autour de vous. Il y a des aides de destinée, relations d'aide de destinée. Il y a des relations de filiation, ça veut dire que les fils, les enfants qui sont autour de vous, les relations collaborationnelles, des collaborateurs, ceux qui sont vos collaborateurs, etc., etc., vos collègues et tout ça. Donc toutes ces choses-là sont importantes. Donc je tiens à dire merci à tous ces hommes de Dieu, peut-être j'ai oublié d'autres, à tous ces hommes de Dieu qui ont été là pour moi, qui ont commencé avec moi le ministère, et avec qui nous avons marché dans l'humilité et nous avons marché dans la collaboration, que Dieu les bénisse au nom de Jésus. Donc pour les habitants de Douala, nous sommes en route pour votre ville. Dieu se manifestera puissamment ce soir. Commençons ce soir à partir de 17h, donc mercredi, jeudi et vendredi. Jeudi, vendredi, ça ne sera pas la nuit de prière. Vendredi, c'est une mini nuit de flamme. On commence à 17h. Donc mercredi, jeudi, vendredi, tous les soirs, ce sera à partir de 17h. C'est un grand programme de délivrance familiale et prophétique. Viens avec ta famille, viens avec tes enfants, et le Seigneur te bénira. Donc, à nous revoir tout à l'heure à partir de 17h. Pour ceux qui ne pourront pas être là physiquement, vous pouvez tout simplement vous connecter en direct. Et la grâce sur place sera votre partage. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. Priez pour nous pour le voyage. Et que la main de Dieu soit avec nous aussi. Que Dieu bénisse, nous aimons tellement. Shalom, bye.